Le 17 septembre 1978, débarquait sur Antenne 2 une série de science-fiction révolutionnaire qui allait marquer toute une génération. Nous allons vous raconter, à travers ce formidable bond en arrière de plus de 40 ans, l'incroyable histoire pleine de rebondissements de la création de la série L'Âge de Cristal. Tout commence en 1963. William Francis Nolan, écrivain spécialisé dans la SF et le fantastique, notamment pour le magazine Gamma, donne une conférence sur la science-fiction à l'Université de Californie et propose à ses étudiants, afin d'étayer ses cours, de réfléchir sur le sujet « Que peut-on écrire sur un homme de 40 ans qui essaye d'échapper à la mort programmée par un gouvernement totalitaire afin de lutter contre la surpopulation ?» Cette idée toute simple tourne en boucle dans la tête de Nolan et ne semble plus le quitter. Il a soumis à son ami, l'écrivain George Clayton Johnson, qui entrevoit rapidement le potentiel, non pas d'une nouvelle, mais d'un roman. Les deux hommes travaillent ainsi chacun de leur côté, puis au cours de l'été 1965, réunissent leurs idées. C'est ainsi que le roman Logan's Run voit le jour en 1967. Fin des années 70, la MGM est en grande difficulté financière et vend aux enchères la plupart des accessoires de ses productions célèbres, et décide de miser gros sur un projet afin de pouvoir rembourser ses dettes, et achète ainsi les droits du roman Logan's Run afin de les adapter au cinéma. Mais suite à de nombreux revirements de production, il faudra attendre l'année 1976 afin que le film L'Âge de Cristal voit le jour. C'est Michael Anderson qui réalise le film. Michael York, acteur britannique, incarnera Logan 5. Et Jenny Agutter incarnera quant à elle Jessica 6. L'action du film se situe en 2274, où les citoyens vivent dans la Cité des Dômes, laquelle est absente du roman original et créée spécialement pour le film pour des raisons budgétaires, regroupant à elle seule la majorité des lieux de tournage. Afin de lutter contre la surpopulation, à la naissance de chaque citoyen, on implante dans la paume de leur main un cristal relié au système nerveux. Changeant de couleur au fil de leur croissance, à l'âge de 30 ans, le cristal devient noir. Et ces derniers doivent participer à la cérémonie du carrousel où, sous couvert d'une renaissance, ils se désintègrent. La plupart des citoyens acceptent, mais certains comprennent vite qu'il s'agit d'une exécution visant à réguler la démographie. Afin de traquer les fugitifs, une police est créée, les Sandman, limiers en français. Et ces derniers doivent exécuter toute personne essayant de se soustraire à la cérémonie du carrousel. Pour un budget total de 9 millions de dollars, dont 3 millions de dollars pour la campagne publicitaire. Dès sa sortie, le 23 juin 1976, le film est un succès à tel point qu'il rapporte la somme de 25 millions de dollars de recettes à la MGM. Et ce dernier sera multi-oscarisé. 1977, CBS rachète les droits du film afin de les adapter non pas au cinéma, mais dans une série télévisée aux grandes dames de Nolan. Mais ce dernier accepte néanmoins de rédiger le scénario du pilote, en collaboration avec Saul David, producteur du film, et signe ainsi un script d'une soixantaine de minutes dans lequel il crée un nouveau personnage, l'androïde Homo. Mais ce nom, en Europe, étant déjà pris par une célèbre marque de lessive, il deviendra REM. Pour des raisons financières, Saul David est évincé du projet qui échoua à Ivan Goff et Ben Roberts, producteurs de la série Drôle de Dame, aucunement spécialisés dans la science-fiction, mais ces derniers ont néanmoins une idée bien précise sur le concept de la série, calquée sur la série Le Fugitif et en font part à Nolan. Dans un futur post-apocalyptique, nos héros font des haltes dans des lieux différents et aident ainsi les personnes qu'ils rencontrent. Voyant les faiblesses d'un tel concept, qui s'essoufflerait rapidement au bout de quelques épisodes, Nolan se retire du projet. Nolan déclarait « J'avais pris une bonne décision en abandonnant Goff et Roberts. La première chose qu'ils firent, c'est de bousiller toutes les bonnes scènes du pilote, réécrivant eux-mêmes les scripts. » REM sera conservé, mais le cristal situé dans la paume de la main disparaît également pour des raisons de facilité scénaristique et de compréhension selon les producteurs. Gregory Harrison débute sa carrière en chantant ses propres compositions dans de nombreuses boîtes de nuit, puis décroche quelques petits rôles, notamment dans la série Wonder Woman en 1975.
ce dernier incarnera le limier Logan V, qui dans la version française deviendra Logan 23. Heather Menzies, habitué des studios de tournage depuis son plus jeune âge, endossera le rôle de Jessica 6. Cette dernière commença sa carrière cinématographique en 1965 dans La Mélodie du Bonheur, aux côtés de Julie Andrews. Heather est mariée à Robert Urich, acteur principal de la série Vegas. Donald Moffat, acteur de théâtre britannique, ayant joué de nombreux rôles à la télévision et au cinéma, prêtera ses traits pour incarner l'androïde Rem. Randy Powell, quant à lui, incarnera le limier Francis VII, qui dans la version française deviendra Francis XIV. Le tournage débute en février 1977, et le pilote est ainsi présenté à la chaîne CBS, mais cette dernière refuse de le diffuser en l'état. Goff et Roberts engagent alors Leonard Katzman, lequel avait produit plusieurs séries à succès, parmi lesquelles Les Mystères de l'Ouest. Ce dernier rajoute quelques pages de scénario, parmi lesquelles Le Conseil des Anciens, où l'on apprend que la Cité des Dômes est dirigée secrètement par des personnes âgées. Le pilote initial, écrit par Nolan et Saul David, et réécrit par Goff et Roberts, est bricolé afin de satisfaire CBS. La chaîne approuve ces modifications. Leonard Katzman est alors engagé en tant que producteur sur la série, et la chaîne donne son feu vert pour le tournage des futurs épisodes. Mais le budget de la série est très serré. Suite à une guerre nucléaire apocalyptique rendant l'air irrespirable, les survivants vivent cloîtrés dans une cité hermétique appelée Cité des Dômes. Chaque citoyen, arrivé à l'âge de 30 ans, est convié à la cérémonie du carrousel, dans laquelle ces derniers disparaissent, faisant croire à une renaissance accédant à une nouvelle forme de vie. Mais Logan 23, un limier dont la fonction est de tuer tous ceux qui n'acceptent pas de se soumettre à la cérémonie, doit retrouver et exécuter un fugitif, lequel est sur le point de s'évader de la Cité des Dômes, avec l'aide de Jessica 6, une rebelle, qui aide les fugitifs à passer à l'extérieur de la cité, afin que ces derniers rallient le sanctuaire, un havre de paix. Mais Jessica commence à faire douter Logan sur la possibilité d'une vie extérieure à la cité. Pris en étau par son coéquipier, Francis XIV, sur un coup de sang, Logan l'assomme, suit Jessica et découvre à l'extérieur qu'il est possible de respirer, contrairement à ce qu'on lui avait appris. Francis est convoqué devant le conseil et découvre des personnes âgées lesquelles dirigent secrètement la Cité des Dômes. Et ces derniers lui proposent un marché. Ramener Logan et Jessica et il pourra faire partie du conseil. La chasse à l'homme commence. Au cours de leur fuite, Logan et Jessica font la connaissance de Rem, un androïde lequel quittera sa servitude afin de parcourir la planète à leur côté en cherchant inlassablement le sanctuaire, lieu de paix, refuge des évadés de la Cité des Dômes. Goff et Roberts engagent alors Dorothy C. Fontana, laquelle est une habituée de la science-fiction et avait déjà écrit de nombreux scripts pour la série Star Trek. Et ces dernières arrivent à convaincre Harlan Ellison et David Gerold, auteurs de science-fiction majeurs, afin d'écrire certains scénarios pour la série. Dorothy apporte une crédibilité au simple concept de Goff et Roberts, en le transposant dans un univers futuriste plausible. Mais Goff et Roberts ne cessent de retoucher les scripts écrits par ces auteurs, aux grandes dames de ces derniers. Le choix des noms des personnages ne sont pas dus au hasard. En effet, Logan était l'indicatif téléphonique de Nolan étant enfant. Jessica, quant à elle, est le prénom d'un modèle apparu dans le magazine Playboy dans les années 60. Quant à Francis, c'est le deuxième prénom de Nolan. L'Overcraft solaire que l'on voit dans la série est conçu par Dean Jeffries via sa société Automotive Styling, lequel fut à l'origine de la création de la Batmobile pour la série TV de 1966. Le Solarcraft est composé d'un châssis moteur équipé de deux roues directionnelles, où vient se souder une armature métallique réalisée en profilé carré, sur laquelle sera fixée la carrosserie. Dean conçoit également les patrouilleurs des limiers. C'est Mort Rabinowitz, lequel fut directeur artistique sur le film de 1976, qu'il est également pour certains épisodes de la série. Ce dernier contribuera beaucoup au succès de la série par son inventivité artistique, en créant beaucoup de décors. Le Deep Sleep Gun, pistolet utilisé au cours de la série, a été mis au point pour le film. Il est fabriqué en aluminium et en laiton. Les flammes que vous voyez apparaître ne sont pas des effets spéciaux rajoutés. En effet,
le Deep Sleep Gun est composé d'une cartouche dans la chambre arrière, contenant un mélange de carbure de calcium et d'eau, créant de l'acétylène, lequel est projeté vers l'avant du canon où se trouve une bougie alimentée par une batterie dissimulée dans la crosse du pistolet, qui sous l'effet d'une étincelle provoque la flamme. Le dessin si particulier de la flamme est dû à la forme du canon aéré, qui laisse par endroits passer cette dernière. Au total, 16 pistolets ont été construits en 1975 pour le film, pour un montant de 24 000 $. Ces derniers ont été modifiés et réutilisés pour la série, car il était trop coûteux d'en fabriquer de nouveaux. Dans la série, le Deep Sleep Gun a 3 positions, tuer, paralyser et brûler. C'est Lawrence Rosenthal qui compose le thème principal de la série. La maquette de la Cité des Dômes, que l'on peut apercevoir dans le pilote ainsi que dans le générique, est un réemploi de l'une des séquences du film. C'est Bill Thomas, costumier, lequel exerce à Hollywood depuis 1950, qui crée tous les costumes du film qui seront réadaptés pour la série. En effet, pour économiser l'argent de la production, on réutilise beaucoup d'éléments du film, notamment la tenue des limiers conçue par Bill Thomas. Mais cette dernière sera modifiée, car originellement conçue en 2 parties, elle est remplacée par une tenue plus légère, faite d'une seule pièce, notamment pour les tournages en extérieur, lesquels seront filmés principalement dans les paysages désolés du sud de la Californie. Variés sont les lieux naturels ayant servi de décor à la série, parmi lesquels l'observatoire de Griffith, ainsi que le barrage de Sepulveda. Nombreux sont les acteurs ayant participé à la série L'Âge de Cristal, parmi lesquels Jared Martin, Mel Ferrer, Barbara Babcock, George Maharis, Gerald McRaney, Horst Buchholz, Kim Cattrall, Lance Legault, Melody Anderson, Nicolas Hamon, Mariette Hartley, William Smith et Morgan Woodward. Dès sa diffusion sur la chaîne CBS, en septembre 1977, la série ne rencontre pas le succès escompté. La raison, face à elle, sur la chaîne concurrente NBC, la série 200 $ plus les frais avec James Garner qui remporte un grand succès depuis 1974. Elle sera donc déplacée sur une autre tranche horaire, puis une seconde. Ces incessants changements de créneau horaire ne fidélisent pas les téléspectateurs. La série souffre également d'un manque de promotion de la part de la chaîne, ainsi que la sortie de Star Wars, laquelle ouvrira la voie à un nouveau genre de science-fiction. C'est ainsi que la diffusion de la série s'arrête au bout du 11e épisode. Elle sera définitivement rayée de la grille des programmes de la chaîne, avant même d'atteindre le dernier épisode. Plusieurs nouveaux scripts sont déjà écrits, mais ces derniers ne seront jamais tournés. Côté français, c'est pas mieux. À l'époque, les 3 chaînes publiques se partagent une partie de la taxe parafiscale, qui en 1981 cédera sa place à la redevance audiovisuelle. L'audimat et les chaînes privées diffusées à l'échelon national n'existant pas à cette époque, les 3 chaînes n'ont pas de réelle concurrence dans la mesure où elles sont toutes issues du service public, bénéficiant également par ailleurs des recettes publicitaires. C'est ainsi que L'Âge de Cristal sert de bouche-trou entre différents programmes afin de synchroniser et combler les temps d'attente entre les émissions de la chaîne, à tel point que la plupart des épisodes sont amputés de plusieurs minutes. Ils ont tous le droit de vivre. Probablement, mais il n'y en a que 3 qui peuvent. C'est Pierre Arditi qui prête sa voix pour incarner Logan 23. Peu importe si ça dure des heures, Francis. Je témoignerai parce que je tiens à ce que chaque personne à la cité sache qu'il n'existe pas de sanctuaire. Jessica 6 sera doublée par Francine l'aînée. Et si cette drogue est toujours efficace, alors il est probable qu'il ne me reconnaîtra pas. Je ne serai qu'une fugitive qu'il est obligé d'exterminer. Quant à Donald Moffat, c'est René Béryard qui prête sa voix. Ah, pardonnez-moi de ne pas me lever, mais je suis à moitié qu'une jatte. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? C'est atroce. Mais ils jouent au mécano avec ma pauvre carcasse. Ben, on ne pourrait pas vous revisser tout ça? Écoutez, mon cher ami, si vous disiez ça à la déesse Shiva, elle vous donnera une paire de claques. Francis XIV est doublé par Michel Paulin. C'est vrai. Logan est un limier sincère. Il ne se souvient plus de ce qui s'est passé après sa fuite, pas même de la fille Jessica. Malgré toutes les personnes qui ont contribué à l'écriture du pilote, ce dernier
reste à plusieurs égards très intéressant. La série ayant été un échec commercial aux États-Unis, c'est pour cela que lors de sa sortie en DVD, les distributeurs ont dû récupérer des télécinémas provenant de différentes sources, ce qui explique les différences de qualité entre les épisodes lors de leur sortie en DVD. Isaac Menzies s'est éteint le 24 décembre 2017 à l'âge de 68 ans. Donald Moffat disparaît le 20 décembre 2018 à Sleepy Hollow à l'âge de 87 ans. Gregory Harrison, quant à lui, continue sa carrière à la télévision.